Salut, salut la famille, venez vous écouter les propos d'Amer Kamer. Il dit comme quoi Tata Lolo a dormi en garde à vue, comme quoi il a les preuves. Et il accuse aussi que c'est Fleur de Lys qui apporte l'ondoutou à Tata Lolo. Et il tire aussi sur Parmesan, comme quoi Parmesan, qu'il sache qu'il doit être prêt. Pourquoi? Parce que vu que l'abbé Samé déjà arrive aux États-Unis, ce que l'abbé Samé va le faire, ça n'aura pas de nom. Un Parmesan n'a pas de maison, mais c'est lui qui veut aider la maman de Nicole. Qu'il accuse comme quoi toutes les personnes qui vont associer leur image avec Fleur de Lys, tôt ou tard, auront des problèmes à la longue. En tout cas, la famille, écoutez vous-même le mensonge ou alors ce que Amer Kamer raconte. Référence à Nicole Kedja. Voilà le conseil que va donner la mère de Nicole Kedja. Maman, mange leur argent. Mange leur argent. Mais sans qu'il est incapable d'avoir un morceau de terrain au Cameroun. Lui qui vit dans la maison familiale, même un parpaing, même un parpaing, il n'a pas au Cameroun. Lui-même, quand il part au Cameroun, il habite chez les gens. Tu veux héberger la mère de Nicole? La mère de Nicole, pardon, demande de t'envoyer l'argent. Mange leur argent. Parce que tu veux héberger la mère de Nicole pour que Nicole te soit de redevable. La mère de Nicole, tu verras certainement ce live. J'ai fait 3 ans au Cameroun. Il y a une réalité au Cameroun qu'ils ne connaissent pas. Nous, on connaît cette réalité du Cameroun-là. Mange leur argent. Parce qu'ils font semblant de t'aider. Ils font semblant de t'aider pour insulter ta fille. Mange l'argent là. Dis-le même que tu dors dehors, que les moustiques t'ont côté. Mange leur argent. Ne pense pas qu'ils t'aident parce qu'ils t'aiment trop. Ils t'aident pour mépriser ta fille. Je pense que de ce côté, au moins tu es conscient de ça. Parce que c'est bizarre quand même. Quand ils voient Flore dire que, oh, je ne vais pas insulter la mère de Nicole, tu as le choix. Tout le monde est en train de te traiter, que tu fais semblant de le laisser. Maman ne laisse pas. Tu as pas dit que tu es le King Kong. C'est maintenant que tu as vu que les abeilles n'existent plus, non. Je pense que c'est si Nicole peut te renverser, te tourbillonner. Je pense que tu as compris que les abeilles, c'était à l'époque. Les abeilles, c'était à l'époque. Aujourd'hui, c'est les mouches. Barcelo n'envoie son argent que là où on prononce son nom. Tu ne prononces pas le nom de Barcelo quelque part, il n'envoie pas son argent là-bas. Car les deuils des stars, il envoie son tarif 300 euros. Il n'envoie pas toujours 300 euros. Mais sans s'élève. Mais sans au Cameroun, même le parpaing, il n'a pas. Même le parpaing, il n'a pas. Lolo a les problèmes depuis qu'elle est rentrée. Lolo a pris l'argent de la cotisation de l'ITI, de sa page Facebook. Elle a rassemblé. Elle est partie au Cameroun. Elle ne fait que payer là-bas, payer là-bas. Oh, payer tel commissariat. Oh, payer ceci. Là, elle n'a plus rien. Information sur ceci. Lolo, première nuit en garde à vue. Avant, elle partait. Elle revenait le matin. Maintenant, elle a dormi là-bas. Mais sans. On va ouvrir une grosse parenthèse. Lolo. J'ai marché avec Flo, j'ai fait la prison. J'ai défendu Flo, j'ai fait l'ongata. Compresseur a défendu Flore. Sa côte a chuté jusqu'à. Il y a les gens, c'est comme la malchance. C'est-à-dire qu'il y a les gens, c'est la malchance. On parle de quoi? Les gars. On a dit, ami, il y a les gars. Kabel Nandi, tu parles, on pensait que c'était vrai. Kabel Nandi disait ceci. Tu disais une chose aujourd'hui, tu marches avec demain, tu entends seulement qu'on t'a arrêté. Tu commences à un gars, tu entends seulement que tu as lancé un boutique. Eh, qui est? La mère, je suis à toi, mes affaires. Il m'a fait pour défendre Flore, il veut l'ongata, maman. Le gars, il m'a yamsa, yamsa. Un mois et demi de yamsa, pam, garde à vue. Hey, oh, bon. Ya, yeah, vous soulevez. Je mets au défi. Oh. Lolo, tes vidéos viennent d'arriver en garde à vue. Il y a certains gars, quand tu marches avec elle, tu t'avais préparé la nourriture, ça va se gâter. Il y a certains gars, elle marche à le mauvais esprit. Elle marche à le mauvais esprit. Et il y a certains gars que, comme elle marche à le mauvais esprit là, quand elle te voit évoluer ailleurs, elle vient gâter. La bague que tu dis que tu avais donnée là. Et, elle t'a donné la bague. Radel comme je suis. Flore, c'est le genre de gars que tu marches avec elle. Tes affaires ne vont pas avancer. Tes affaires ne vont pas avancer. Voilà le long de Yamseur, Yamseur. Un mois et demi de Yamseur, garde à vue. C'est-à-dire que tout l'argent qu'ils ont travaillé le jour de son émission, elle a dépensé sans corruption partout, partout. Les gens ne veulent pas. Celui qui comptait sur toi, Yaoundé, il t'a dit qu'il ne peut plus te défendre. Sa femme a dit, Paul Désir. La femme de Paul Désir a dit qu'elle ne veut plus te voir avec son gars. Paul Désir n'a même pas les relations. La personne qui a les relations, c'est Paul Désir. La mère de Paul Désir. Parce que la mère de Paul Désir, c'est l'une des femmes qui marche à la première dame. Donc c'est derrière Paul Désir que Lolo parlait fort partout. C'était derrière Paul Désir. Maintenant, à l'heure-ci, Paul Désir a dit que je ne suis plus dedans, débrouille-toi. Voilà pourquoi on lui a remis son passeport quand elle est revenue en garde à vue, avant-hier. Parce qu'hier, elle a dormi en garde à vue. Continue à marcher avec ta yamseur. Continue à dormir avec ta yamseur, ma. Tu n'as encore rien vu. Parce que tu voulais gâter la relation. Tu voulais gâter. Et tu allais attendre depuis tout ton boy.
Je suis ton esclave. Et t'avais dit d'attendre depuis. On dit que c'est quand le mariage pas fini que tu connais vraiment si une fille. C'est quand le mariage fini là que tu connais vraiment si la fille était jolie. Hein? Il n'avait pas vu que Flo avait les pieds penchés. Quand il regarde la photo de Flo, il dit, hey, c'était moi comme ça. Massa. Je faisais même comment pour ne pas voir tout ça. Ouais, on dit qu'on a pitié. Et voilà, voilà, voilà le social. À force d'être dans le social. Je faisais même comment. Je faisais même bon là. Je vois de ta mère. Non, je respectais beaucoup Flo. Tu as fumé quoi, Nicole? Tu respectes une femme qui insulte ta mère? Je vais te dire. Moi, je dis souvent, Amen, c'est un gars qui tape sec. Amen, c'est un gars, il lave. Personne n'est en sécurité chez moi. Il dit, personne n'est en sécurité chez moi. Donc, Nicole, tu vas venir dans mon vision. Une femme insulte ta mère. Il n'y a pas qu'une seule femme. Il y a une autre là. C'est Lily quoi là? Si c'est Lily Cormol, c'est Lily Odontol. De la tour. Lily de la tour, Lily Odontol. Dis tout simplement que tu as saboté tellement compresseur sur Flo. Que tu ne sais pas si Flo t'avait enregistré ou pas. Et que si les voix t'as sorti, ça peut te mettre dans le thème. Moi, c'est comme ça. Parce que la rage que Nicole avait sur Lolo, ce n'est pas la même rage que Nicole a sur Flo. Tu vas voir le marquer ça. On va dire quand même, peut-être tu vois mal. Ouais, Lily Formol. On a l'impression que Flo a le secret de Nicole que pendant que tu es en train de mal parler de compresseur. Parce que je ne vois pas le même mot. Même quand Nicole a ouvert son live, tu ne peux pas ouvrir un live, on a rage plus que toi. C'est ta mère qu'on a insulté. Hein, Mamisa? C'est ta mère qu'on a insulté. C'est pas la mère de quelqu'un d'autre. C'est ta mère qu'on a insulté. Non, on vient en renfort seulement parce que nous, on le supporte. On préfère que le game reste entre nous. Mais pas qu'on mette les mères là-dedans. Mais à un moment donné que Flo a insulté ta mère, mettre les voix de ta mère dehors. Et tu arrives, tu dis que, go, moi, c'est. Maman, tu joues dans quoi? Tu fais dans quoi, non, Ressé? Tu fais dans quoi, non, Ressé? On a l'impression que tu as laissé clair. C'est-à-dire que tu laisses saboter compresseur avec Flo. Ça n'a pas marché. Parce que c'est bizarre quand même. Messan, qui revient. C'est bizarre quand même que les deux personnes qui détestent compresseur actuellement, c'est Messan et Flo. Et c'est bizarrement qui vient te proposer de l'aide. Ma, tu as vendu compresseur à combien? Tu regardes Flo. Elle ne vit que de ce que les gens cotisent. Elle va t'aider comment? Tu regardes Messan. Messan, tu es pareil. Messan, qui veut t'aider? Dans son propre pays, même le papa, il n'a pas parté. Moi, encore, on peut dire que j'ai le calabot en forêt. Moi, on peut dire que j'ai le calabot. On peut dire quand même qu'à moi le calabout. Bien. On va aller aider Nicole. On va aider Nicole. Il a aidé les membres de sa famille. Il n'est pas là au Cameroun avec sa femme. Il a commencé à galérer. On parle de quoi? Go, je vais aider la mère. Je vais aider. Que c'est la mère de Flore. Mais ça a déjà aidé qui? Parce qu'il veut l'empathie. Parce qu'ils sont maintenant dans le aide-moi. Aide-moi à détester compresseur. Maintenant, ils ne sont plus dans aide-moi à détester compresseur. Ils sont rentrés dans l'équipe. Dominus Santos Spiritus. Aidons-nous à détester Diamant Bleu. Évangile selon Saint-Messan, verset Flore de Lille. Vous devez tous ensemble, à l'unisson, détester compresseur alias diamant bleu. Évangile selon Saint-Messan, verset Flore de Lille, détestation de compresseur. Et tu dis à ta mère que maman, mange leur argent, c'est n'importe comment. Mange leur argent. Normalement, même la mère de Nicole, écoute-moi bien. Normalement, même tu t'envoies. C'est-à-dire que c'est quand on t'envoie, peut-être un WSL, une ou 200 euros, que tu écrases encore le nom de ta fille, on t'envoie. Ça devient une association que. Tu t'arranges avec ta fille, on envoie l'argent, elle pas mal, elle mange. Quand ils seront partis, ils vont partir seuls. Tu penses que, encore moi, tu appelles mon frère pour dire que mon frère, mais ça veut dire à mon frère que, Amen. Il me dit que, oui, Amen, les gens m'ont appelé, ils m'ont envoyé l'argent pour dire que, mais c'est très simple, va te filmer quelque part là-bas où la maison n'est pas. Tu prends 2 ou 3 gars du village là. Tu leur dis que, oh, Amen, quand même, nous a beaucoup de soucis. Tu fais une petite vidéo, mais on vous envoie d'abord l'argent. Hein. On vous envoie peut-être 200 000, comme ça, tu leur prends chacun 15 000. Ils font une vidéo comme quoi, oui, Amen, nous a promis, machin, tout. Ça m'a même pas marché chez moi. Je suis capable de dire à mon petit frère que monte un dossier sur moi. Je suis capable d'envoyer mon petit frère sur toi comme vous ne pouvez pas parler de moi. On va tout prendre. Oh, mais quand même, il n'a rien fait. Oui. Voilà mon nom, envoyez l'argent. Il décaisse, il dit que c'est comment. On t'a envoyé combien 100 000 bon. 7 ans, on va mettre 30 pour le garder 70. Tu penses que là, mes sangs là. Mes sangs là, il est là. On me dit quand même, tu as 1000 francs dans la poche. Soit tu brûles les 1000 francs là. Soit tu brûles les 1000 francs là. Soit tu donnes les 1000 francs là pour que mes sangs vivent. Elle brûle les 1000 francs là. Il y a certaines personnes qui sont comme la gangrène. Il y a certaines personnes, c'est la malédiction. Il faut dire les gens la vérité en face. Il faut les dire la vérité en face. C'est pour ça qu'à quand même, quand il parle, ça fait mal jusqu'à. Toi, c'est tu utilises ta propre mère. Pour aller te refaire les seins. Ma chérie, elle a dit qu'on est alcoolique. Hein. Quand on est alcoolique, on ne fait pas la chérie. C'est toi qui bois comme il n'est pas permis. C'est toi qui fume le kiosque comme il n'est pas permis. C'est toi qui mange comme il n'est pas permis. Tu fais pas la chérie. Une femme qui fait la chirurgie, elle perd 5 kilos, 2 mois plus tard, elle récupère 25. Pourquoi personne? Parce que quand tu vas dire à quelqu'un que non, Flo, c'est manga. Quand tu arrives dans ça, elle est dans la foule. Elle est quoi dans la foule 62? Elle est dans la foule 79? On appelle ça maintenant, les gens, vous appelez ça comment maintenant? Le body count. On va arriver quelque part, le body count va monter. 3000 gars. Tu pars dans une soirée, tu t'en rends compte que dans la soirée, 45 personnes ont mis à ce temps-là. Maman, les gens, c'est là.
Tu vois comment tes aises vont te dire que. Mais ça ne plaît pas à toi. Hein. Il va te toucher propre. J'ai confiance à la descente. Aucun homme ne peut assumer ces deux femmes. Comment toi-même tu peux sortir avec une gars que tout la diète, c'est Agnace. Tu vas faire ça comment? Le seul gars qui a pu assumer, c'était moi. Le nom de Flo m'a fait perdre l'argent. Le nom de Flo m'a fait, j'ai fait la garde à vie au Cameroun. Le nom de Flo a fait. Mes poulons ont commencé à mourir un à un. Le nom de Flo, c'est que le nom de Flo a fait. Le nom de Flo a fait, j'ai commencé à fréquenter les tribunaux, j'ai commencé à fréquenter les gardes à vue. Le nom de Flo, c'est comme la malchance. C'est-à-dire que le nom de Flo, heureusement que j'ai le colis sur moi. Tous ceux qui me voient avec le colis, ils seront délivrés de Flo. Tu me parles de quoi? Elle a lavé le port jusqu'à le port, ne voulait pas devenir propre. Tu parles de quoi? Go, je t'avais dit d'attendre. Aujourd'hui, Flo, dans 6-7 mois, elle va tomber comme il n'est pas permis. On va applaudir. Parce que création de contenu, elle n'est pas là-dedans. Une ancienne Waka qui ne peut pas donner les conseils de Wakaïsme aux gens, elle n'est pas dedans. Oh ben comment? Quand j'ai Amère, création de contenu, mon premier truc que j'ai fait ce matin, peut-être tu arrives en deuxième position, tu vois, et je demande à toi, Amère, que nous ne nous moquons pas d'eux. C'est la même chose qui a chez nous. Je crée quelque chose, je crée un canevas. C'est ce qu'on appelle un créateur de contenu. On va parler de quoi de Flore? Oh, ma mère est malade, oh, quand tu sais, ma mère va rentrer au Cameroun, bon, elle se retrouve en Turquie, elle refait le 5. Maman, quand elle refait même le 5 en Turquie, là, un côté est toujours plus gros que l'autre. Les 5 devient les 5 en facette. Création de contenu, c'est ça. Oh, ma mère est malade, on a sorti de l'hôpital, on cotise encore, boum, elle quoi en Turquie. Sortir avec une gars comme ça, maman, c'est une décharge terrible. Terrible. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Dis la vérité aux gens. Oh, le litige de ceci. Fais-moi le litige. Je vais aller construire. Je vais aller construire. Tu vas construire quoi que c'est ta maison. Non, maman a immeuble. Montre-nous le permis de bâtir. On voit aussi. Les gens cotisent. Tu parles là, tu manges, tu rentres. Tu vas tourner de gauche à droite là-bas. Tu reviens. Maman, une vie d'espoir. On va en dire quoi sur ça? Non, on va en dire quoi sur ça? Est-ce qu'il y a le contrat tous les jours des bouteilles de whisky? Est-ce qu'il y a le contrat tous les jours de kio? Maman va voir sur Facebook là-bas. Maman, elle est versée là-bas. Va voir sur Facebook. Elle va voir sur TikTok là. Toute une journée, l'engrais fait 3 jours le même caleçon, les mêmes habits. 3 jours. Hey! Hey, tu vas me mettre un petit frère. On va mettre des problèmes. Et t'es dit? Mais il va me mettre dans les problèmes pour rien. Il me met dans les problèmes pour rien. Vous la vérité. Tu as la chance de la visibilité comme ça là. Go, tu as mis la photo de sa mère parce qu'on t'a reproché que tu n'as jamais rien fait pour sa mère. Mais Amout, sérieusement, c'est parce que tu sais que si tu donnes l'argent, elle va manger l'argent là que tu n'as jamais rien fait pour sa mère. Il faut dire aussi la vérité. C'est parce que tu sais où l'argent l'a pas. Tu sais où l'argent l'a pas. Voilà pourquoi elle n'a. Voilà pourquoi toi, Amout et Jaguar n'ont jamais donné quelque chose là-bas. Parce qu'ils savent ce que. Parce que Amout et Jaguar savent ce que Flore fait avec l'argent qu'on envoie pour sa mère. Voilà pourquoi ils n'ont jamais rien envoyé là-bas. C'est entre eux, non, les Tiffman. Quelle est la première personne à venir le soutenir? C'était Flore. C'était Flore. Et pourtant que l'abbé Samé a respecté le fait que Compressor s'est entendu avec Flore. L'abbé Samé restait tranquille. Mais. Elle n'a pas hésité à sortir pour dire que la baisse ça m'est mal. Elle n'a pas hésité. Vous devez comprendre le cœur. Vous devez comprendre le cœur même de la personne. Et vous mettez devant le fait accompli. Je vous mets devant un fait accompli. Elle dit quoi de ça? Voilà, c'est vous mettez ça là devant. Elle était la première personne à sortir dire que la baisse ça m'est mal. Elle a entendu que Compressor allait étudier. Elle cherchait un moyen pour déchirer leur photo. Elle ne trouvait pas. Oh, elle a partagé là où on a jeté ma mère. L'année où elle dit. Quand tu es une école, tu étais contente, non? Tu es contente, non? Quand tu es bout, tu es Flore rêve. Hé, hey, maman, tu hey, ton Nick, toi le mot. Hein. Comment tu sais que Flore rêve du corps de Chica? Hé, elle a coupé tout son corps jusqu'à. Elle voulait devenir comme Compressor. Elle a dit que non. Compressor a fait même comment? Ça a loupé. Vous pensez que quoi? La malédiction de la toile camerounaise. Vous avez toujours dit ça ici. La malédiction de la toile camerounaise, ce sont ces gens-là. Quand ils ne sont pas à la une, la toile respire. La toile respire. Elle veut pour insulter la mère d'une autre blogueuse. Après, elle dit que non. Hein, mais c'est ton niveau maintenant. Mais c'est bien comme tu as déchiré la photo avec Compressor. C'est un peu ton camarade. Elle a été étudiée. Tu es allé monter la reine galloise contre Compressor. Ya! Yeah. Compressor est sorti pour la reine galloise. Maman, il y a le terrain pour tout le monde. Eh non. Compressor dit, pardon, maman, il y a le terrain pour tout le monde. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive, n'est-ce pas? Qui t'invite encore, non? Qui t'invite encore? Personne. Tu n'es pas encore tombé. Tu n'es pas encore tombé. Eh, hey, maman. En fait, t'es mouche. Tu sais, les mouches se trouvent, non? Madame Messang, il y a un genre de volume que tu as beau couper le volume de ton téléphone. Mais la réalité t'impose à écouter le volume là. Maman, c'est ce que tu dansais toi et tu manques, ouais, pourquoi je suis en guerre avec les gars là? Oh, mon mari m'a mis dans les problèmes. Oh. Et maintenant, quand vous avez venu dans Bokoro là, vous n'avez pas venu à l'aimer de Glutabos et les chaussures de Glutabos, pourquoi non? Hein, Messang? Quand tu es venu dans Bokoro, pourquoi tu n'es pas venu à les lunettes de Glutabos, mais les chaussures de Glutabos? Fallait venir avec, non? Comme ça, tu le remettais ça en main propre. Hey, Seigneur. Voilà. Des pères d'enfants, des mères d'enfants. Manque de créativité. Mais ça envoie la fête de l'Afrique à foutre. Tu sais même ce qui s'est passé là-bas? Non. Mais ça envoie la politique. Tu sais même comment se fait? Non.
Tu es bon dans quoi, pas? Ton fonds de commerce s'est insulté, compresseur, insulté Patricia. La manière que tu es sur Flore, on a l'impression que tu as abandonné. Parce que la même rage que tu as sur Lolo, je ne vois pas la même rage là sur Flore. Hein. Je ne vois pas la même rage là. Et Nicole, tu avais quel genre de conversation avec Flore pour que ta mère vienne se confier à elle? Tu avais quel genre de conversation? C'est toi qui vois l'autre là, Lily Waka. Oh, je me suis confié beaucoup, elle me parlait beaucoup, elle me parlait beaucoup. Maman, tu cherches des gens pour te confier sur Internet. Tu as vu ça où? On ne se confie pas à l'ennemi. On ne se confie pas à l'ennemi, même en période de non-guerre. Voilà sa copine. Tiens, voilà Lolo qui a passé la nuit en garde à vue. Mais ça en est où? Mais ça en est que tu m'as aidé quand il était au Cameroun, non? Voilà Lolo qu'on a arrêté son passeport. On l'a remis avant-hier. Mais on l'a remis à son passeport en étant en garde à vue en même temps. Tu es où depuis mes sangs? Tu es où depuis Flore? Vous n'avez pas les relations au pays? Vous n'avez même pas. Enfin, vous avez écouté comme moi, mais quand même. Maman, les réseaux sociaux aussi. Quand vous-même vous voyez Amer Kamer, c'est que je ne comprends pas. Comment Amer Kamer peut accuser Fleur de Lille que c'est à cause de Fleur de Lille qu'il a eu les problèmes avec le président Amoud? Il est venu défendre Fleur de Lille à cause de la visibilité. Oui, c'est comme la Lyon, peut-être, tous ces gens qui font les directs au nom de Fleur. Même Nicole Ketia faisait les directs peut-être au nom de Mama Pépé ou peut-être au nom de Fleur. Donc, si, comme actuellement, Nicole Ketia insultait Lolo Fodja, peut-être pour faire plaisir à compresseur. Donc, si c'est que Tata Lolo n'a pas porté plainte à Nicole Ketia, donc vous allez accuser que c'est compresseur qui a fait en sorte que Nicole Ketia peut-être se retrouve en garde à vue. Non. Pourquoi? Parce que si Nicole Ketia a décidé peut-être là avec Tata Lolo, c'est tout simplement parce qu'elle n'aimait chercher sa visibilité. Elle était obligée de s'accrocher derrière une team. C'est la même chose qu'Amer Kamer. Tu es venu dans l'affaire du président Amo et Fleur Delis. Fleur Delis réclamait son argent. Mais toi, tu réglais tes comptes avec le président Amo. Et c'est ça qui a fait en sorte que le président Amo te porte plainte. Donc, n'accuse pas que c'est Fleur Delis qui porte poisse. Non, personne qui allume sa caméra est responsable de ses dires. Pourquoi? Parce que quand vous venez défendre les gens sur les réseaux sociaux, ces personnes-là ne vous poussent pas à parler certains trucs. C'est la même chose que même Fleur Delis dit toujours, que si la lionne insulte compris, elle n'est pas responsable des dits de la lionne. Parce que le jour qu'on va coller une plainte à la lionne, elle ne sera pas responsable de ça. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas dire que c'est Fleur Delis qui encourage la lionne à insulter ou alors à clasher compris. Donc, Amer Kamer, si réellement tu veux régler tes comptes avec ce que tu as pris un camp, tu commences à dire comme quoi Fleur Delis a cassé la photo dès le compresseur, tout simplement parce que ça était étudié. Non. Il ne faut pas mélanger tout. La preuve en est, depuis que mon compresseur était étudié, on a vu les sorties de Flore. Flore disait toujours que non, même si elle est passée sur l'émission de Tata Lolo, elle a toujours dit que non, c'est sa cour. Tata Lolo a tout fait. Pousser même le bouchon, Flore a carrément dit qu'elle est compresseur, il n'a aucun problème. Qu'est-ce que c'est que peut-être il y a quelque chose qui ne va pas appeler compresseur pour parler avec compresseur. Mais toi, Amir Kamer, tu es celui-là qu'on peut dire que tu n'aimes pas la paix. Tellement, Flore Delis t'a barré. Tu n'arrives pas toujours à digérer. Quand toi-même tu dis que on sent en fait quelqu'un qui pleure le Mougouli, on sent en fait quelqu'un qui pleure le Ndolo, pourquoi? Parce que quand toi-même tu dis que tu es la seule personne qui t'a affiché avec Flore, que tu as même pris des risques, ce que tu oublies c'est que même quand tu t'as affiché avec Flore, Flore dissociait toujours son image avec le truc. Oh, choucré, Flore dit que pardon. Donc toi-même, quand même, tu espérais sortir avec Flore, mais Flore Delis n'a jamais voulu être avec toi. Et ce qui en ressort, c'est qu'on constate que tu as l'amertume. Tu as cette colère. Elle a toujours dit sur les réseaux sociaux qu'elle ne peut pas sortir avec toi. Pourquoi? Parce que tu es son collègue. Elle ne peut pas être en couple avec un blogueur comme elle. Ça ne peut pas marcher. Mais toi, en retour maintenant, aujourd'hui, tu dis que tu ne voyais pas. Aujourd'hui, tu dis que c'est quand peut-être tu n'es plus avec une marque que tu vois réellement que mais, l'angala était si. Tout simplement parce que tu n'arrives pas à digérer le fait que Fleur Delis t'a dit non. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Tu t'associes avec un clan pour la dénigrer, pour l'insulter, pour la diffamer. Tout ça à cause de quoi? Si tu veux régler tes comptes avec Parmesan, régler tes comptes avec Parmesan, mais n'associe pas Fleur Delis. Oui. Pourquoi? Parce qu'on constate que sur les réseaux sociaux, vous êtes ce qu'on appelle un clan. Moi, je ne suis pas dans un clan. Mais quand je décrypte ma douleur, que oh, je prends le clan, non, je me réfère toujours aux anciens trucs qui sont passés sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que moi-même, j'ai vu. Un temps, même Fleur Delis t'a tapé, c'est que non, c'est bon là. C'est bon là. Tu as tout continué. Hein? Elle est venue réclamer son argent. Elle ne t'a pas dit d'exagérer.
Elle ne t'a pas dit d'insulter le président qui sort de la boîte de Florentine. Elle sait les responsables, on s'est dit. Donc, si le président a mon porte plainte à Florentine, elle va aller reprendre de ses actes. S'il t'a porté plainte, tu vas répondre. Mais n'accuse pas que c'est Fleur de lui. Tu as su ton image avec Fleur. À cause de Fleur de lui, tu as fait le gata. Non, tu as fait la garde à vue. Comme aujourd'hui, tu dis que Tata Lolo a fait la garde à vue. Comme tu dis qu'on a récupéré son passeport. Non, à un moment donné, il faut être clair. Quand ils mettent que non, comme c'est Fleur de lui, c'est une fille bamlekée, on met, ils décident en fait de mélanger tout. Ils refusent de voir la réalité. Considère la vérité. Mais quand même, n'a jamais défendu Fleur Delis avec un seul cœur sur son problème avec Amé. Pourquoi? Parce que avant ça, Amé Kamé insultait déjà Prisiam. Son combat sur les réseaux sociaux, quoi, c'était les Waka et les Féman. Donc, quand lui-même il avait boyé Fleur Delis, c'était quoi? Quelqu'un l'avait envoyé de venir boycotter. Question. C'est parce que c'était son combat à lui. Donc aujourd'hui, il ne doit pas dire que, peut-être, il ne doit pas dire que non, c'est compression qu'il avait poussé à le faire. À un moment donné, il faut arrêter la manipulation, selon moi. Donc, vous avez écouté comme